Comment ça va les moucronois et moucronoises? Bien. C'est comme ça qu'on dit, hein? Oui. Voilà, comment ça fait plaisir, comment vous êtes réceptifs. C'était pas une blague, ça c'était un compliment, hein? Non, non, c'était une, parce que est-ce qu'il y en a qui se rappellent encore de ma tête, là, ma tête de con, là, comme ça vous revient? Oui. Michel Sardou, fan des années 80. Non, non, moi c'est Camille. Hein, et c'est le truc qui est terrible quand tu fais un gros tube, c'est que les gens n'oublient pas. Hein. Tout à l'heure, non, pas bah, YouTube. J'ai un gros tube dit YouTube. Vous voulez vous lancer dans le rap ou... Non, quand tu fais un tube, c'est que les gens ne l'oublient pas. Parce que je me suis gavé tout à l'heure dans la ville de Moucron, et il y a un mec qui m'a fait Camini. Non, Camini, Marie Gaumont, tracteur des vaches. Oui, parce qu'avec moi, les gens font pas de phrases en fait. Hein. Moi, j'ai droit à des successions de mots, j'ai droit à des rébus. Une fois, il y a un mec qui m'a fait « Hey, vous, c'est le clip YouTube Dailymotion Picardie qui est petit village mobilette en Picardie ?» J'ai dit « Oui, mais fais une phrase !» Non, Camini, c'est un drôle de prénom, en fait. Hein. C'est mon nom de scène, mon nom d'artiste, mais c'est aussi mon vrai prénom. Ouais, c'est un drôle de prénom parce que c'est un prénom africain. Et les prénoms africains, c'est pas comme les prénoms français, tu vois. Lucien, Mathieu, Jean-Jacques, ça, on sait que c'est des prénoms. Mais nous, les prénoms africains, sont des onomatopées. Comme dans les bandes dessinées. Tu sais les trucs écrits en caractère gras dans les bandes dessinées quand il y a de la bagarre? Souvent c'est marqué PAM, KOUM, BAM, tu vois? Bah pour les Africains, ça c'est un prénom. PAM KOUM BAM! PAM KOUM BAM! Oh, mais lui aussi, mais qu'est-ce qu'il fait? Ou alors, deuxième version. PAM KOUM BAM! Oh, mais elle aussi, mais qu'est-ce qu'elle fait? Oui, parce que c'est mixte. Le prénom africain est mixte, hein. Masculin, féminin, ils connaissent pas au bled, c'est pas leur problème. Ah, ils sont pas cassés le cul en Afrique. Y'a pas le système des François, Françoise, Julie, Julien, Vincent, Vinciane, Koumbé ou Koumbé. Même orthographe, même prononciation, ils s'en foutent. Ah oui, t'as pas le système des Henri, Henriette, Frédéric, Frédériquette, par conséquent. Les prénoms africains, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Camini, ça peut être tout et n'importe quoi. Camini, ça peut être un nom d'artiste, un nom de scène, un prénom, mais ça peut être aussi une marque de spaghetti, tu vois. Panzani, Buitoni, Rajoli, Camini, moi je vois pas la différence, hein. Avec les pâtes Camini, j'ai toujours bon appétit. Camini? Oh oui. Ah oui, alors ça, c'est les pubs sur Internet. Hein, tu sais quand la pub elle est finie depuis 5 minutes, mais le mec il bouge encore avec marqué cliquer ici devant, tu sais. Ils sont fous sur Internet. Avec le prénom Camini, tu peux tout faire. Camini, t'arrives même à le glisser dans un reportage animalier sur Arte. Reportage animalier sur Arte, animal bizarre avec une tête de castor comme ça. Et un corps d'oiseau. Et là, tu prends la voix off, la chaîne Arte ou France 5 qui parle et qui dit le Camini. Le Camini est un oiseau rare. Heureusement qu'il est rare, qu'il trouve pareil. Sa tonsure rouge et verte lui donne un aspect de fougère. Ce qui lui permet de se camoufler lorsqu'il chasse ses proies. Contrairement aux camélis d'Asie et aux camélis d'Europe centrale, le camélis d'Afrique se nourrit essentiellement de coloptoptifères, phototoposcophères, céphalopolophytés, anthropomorphes, métamorphologiques. Ah, c'est des vers de terre en fait. Mais Arte, faut toujours qu'il se la raconte, tu vois. Non, le prénom camélis, c'est un drôle de prénom. En même temps, je me plains de mon prénom, mais il y a pire. Hein. Ah oui, il y a pire. Rien que dans ma famille, il y a pire. Moi, j'ai un cousin, son prénom, c'est même plus un prénom, c'est un bruitage. C'est un son, le truc. Nous. Ndou, il n'y a pas de suite, il n'y a rien après. C'est beaucoup trop court comme prénom Ndou. Après, il y a une catégorie supérieure, les PNSP, les parents noirs sans pitié. Alors, le concept est simple, c'est des parents, quand ils donnent un prénom à leur enfant, ils n'ont pas de pitié. Ah, ils se font un kiff, eux, ils kiffent le prénom, ils sont sincères. Même si le gamin galère à l'école primaire, ils s'en foutent. Moi, j'ai un cousin comme ça, il avait des parents sans pitié, le mec, il s'appelait Mboukaka. Mboukaka, va dans une école primaire, va expliquer aux autres enfants, m'appelle Mboukaka. Tu crois qu'ils vont dire quoi, les gamins? Toi, tu t'appelles Mboukaka. Et t'as cru quoi? On allait se moquer de toi à cause de ton prénom? Tu nous prends pour des gosses? Tu nous prends pour des gamins? On a 5 ans, mec! T'as vu le mot caca? Au final, c'est toi qui as eu des préjugés, pas nous. Ah, t'as la go! Tu crois les gamins vont réagir comme ça à l'école primaire, toi? Bon caca, bon pipi, bon caca, bon pipi. Il a pas tenu 2 jours dans mon école primaire, le pauvre. Bah attends, mais c'est pas un prénom, mon caca, hein? Bah, tu vas pas donner à ton enfant un prénom que même les animaux dans la jungle peuvent prononcer? Mais bon, j'ai constaté les noirs.
Noirs font des efforts. Il y a des Noirs qui prennent des prénoms français. Mais au lieu de prendre des prénoms français, ils prennent des prénoms en français, les mecs, ils n'ont pas compris le concept. Alors du coup, dans ma famille, il y a des mecs qui s'appellent Magloire, Majoie, Bienvenue. Pas plus tard que la semaine dernière, je vais à la maternité, mon matin qui vient d'accoucher, elle me dit, tu vois, ma fille est belle, hein. J'ai choisi son prénom en regardant Alice au pays des merveilles. Je dis, ah, tu l'appelles Alice. Non, merveille. Des prénoms improbables. Général. Ah, j'ai un cousin, je vous jure, mais c'est là qu'il s'appelle Général. Ah, bon, au début, j'étais comme vous, dubitatif, j'y croyais pas. Vérification, carte d'identité, prénom du mec, Général. Mais pourquoi tes parents ont été comme ça? Parce que mes parents, ils vont pour la France. Et ils voulaient que j'ai le même prénom que De Gaulle. Non, mais cette vanne-là, je prends toujours un peu de temps pour m'en remettre. Pour vous, c'est du vanne, moi, c'est l'histoire vraie. Non, c'est un truc de fou, les prénoms. Les prénoms inadaptés, les prénoms qui ne vont pas avec la personne. Parce que avant de percer dans le show business, j'étais infirmier aux urgences. Et un jour, j'ai vu un patient, un black. Le mec, il arrive, SDF, sans papier, sur le point de se faire expulser, diabétique, amputé des deux jambes. Je prends le dossier médical, prénom du mec, Bonheur. Bonheur, Yakata. Et pour conclure, le summum du summum des prénoms africains, c'est dans ma famille. Il vit chez vous en Belgique, à Louvain-la-Neuve. Il n'y a que les Noirs pour faire un truc pareil. Il y a que les Congolais pour appeler leur gosse comme ça. J'ai un cousin, mais j'ai l'air. Attention, il s'appelle. Dieu. J'ai un cousin, il s'appelle Dieu, D-I-E-U, Dieu comme Dieu. Même chez les terroristes musulmans, Al-Qaïda, personne n'appelle son fils Allah. Il n'y a que les Noirs qui peuvent faire un truc pareil. On n'appelle pas son enfant Dieu. Hein. Mais ça, c'est parce que les parents de Dieu, ils sont hyper croyants. Les parents de Dieu, t'imagines la phrase? Mon cousin, il s'appelle Dieu, ça crée des situations rocambolesques. Un soir, ma meuf me téléphone, elle me fait « T'es où là ?»« Ben, c'est chez Dieu !»« Tu te fous de ma gueule ?»« Mais non, Dieu, c'est mon cousin !»« Ça fout la merde !» Ah, je crois que cette bonne-là, je la ferai plus, alors. On n'appelle pas son enfant Dieu, c'est n'importe quoi. En fait, ils l'ont appelé Dieu, ses parents, parce que c'est les Noirs qui vont à l'église et qui prient à fond et tout, là. Ben non, ses parents, c'est les Noirs qui vont à l'église et qui crient à fond et tout, là. Ah oui, non, les Noirs à l'église, c'est plus des prières, c'est des crières. Il est où le Seigneur? Il est là, en toi, en moi, le Seigneur est là, en toi, en moi. Alléluia, 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 alléluia. Avec les yeux qui sortent de ma mère, elle fait peur l'église. Non mais sérieux, moi je suis sûr que Dieu, il a déjà pour l'Afrique, c'est à cause de ça. Hein. Bah oui, Dieu, quand il voit les Africains, on dit lui, il dit, oh là là, faut que je les aide, que je fasse des choses pour eux. Il est là! Mais pour ces tons-là, et bah raison ta mère, espèce de sa noire. Ah oui, non, il faut savoir que tous les peuples qui prient de manière trop bizarre, Dieu les laisse dans leur merde. Ah oui, ou pire, il les punit, ça s'est déjà vu dans l'histoire, ça. Bah, les Indiens d'Amérique. Vous connaissez les Indiens d'Amérique? Ils ont disparu. Dieu avait des prières comme ça, il a dit, oh, je ne veux plus les voir. Moi, je les vois, je ne veux plus les voir. Christophe Colomb, tu traverses l'Atlantique, il y a des bicots là-bas, je ne veux plus les voir. Résultat aujourd'hui, les Indiens d'Amérique, il en reste 7. Ils vivent dans une grotte en Californie, sont alcooliques. Ah, mais Dieu, Dieu, faut pas l'emmerder. On n'avait pas son enfant Dieu. Il y avait des Camerounais, ils ont appelé leur gosse Dieu donné. T'as vu la merde que ça a foutu? C'est tout le monde là, c'est pas. Faites un applaudissement pour moi.